1949, après l'échec d'Under Capricorn, Hitchcock traverse sa période la plus difficile depuis les jours les plus noirs de sa carrière anglaise. C'est pourquoi il choisit de tourner en 1950 un petit mélodrame policier, Stage Fright, en français Le Grand Alibi, qui lui permet de travailler avec la sublime Marlène Dietrich. Mais en 1951, Hitchcock effectue un retour en force avec l'adaptation de Stranger on a Train, L'Inconnu du Nord Express, de Patricia Highsmith. Malgré de nombreuses difficultés, dont une collaboration infructueuse avec Raymond Chandler, L'Inconnu du Nord Express prouve une fois de plus qu'Hitchcock est bel et bien le maître du suspense. Ben alors on passe à Stage Fright. Ah oui, c'est-à-dire que les deux, oui, je ne me souvenais plus qu'ils étaient l'un à la suite de l'autre. I didn't remember that one followed the other one. J'ai donc resté pratiquement en Angleterre tout le temps. Before you remained in London. No, I came back here. Je suis revenu ici. I went back again. Et je suis retourné à Londres. C'est pour moi plus étonnant que vous ayez fait Stage Fright que Under Capricorn. For me, it's more surprising that you made Stage Fright than that you made Under Capricorn. Parce que c'est vraiment un petit film policier. Because it's really a small police picture. Et dans la tradition Agatha Christie. Of Agatha Christie. C'est un qui l'a tué aussi. C'est un qui l'a fait. Oh, it's a whodunit. Yes. I think that there were two. There was a bad element. Il y avait un mauvais élément. And yet there was an interesting element. Et pourtant il y avait un élément intéressant. The bad element was. Le mauvais élément était. How I came to choose the story. Pourquoi j'ai choisi l'histoire? Comment j'en suis venu à choisir l'histoire? That there were a couple of book reviews. Il y avait quelques revues de livres. Who said this would make a good Hitchcock film? Qui ont dit ça se ferait un beau film de Hitchcock. And I, like an idiot. Et moi comme un idiot. Believed it. Et cru que c'était vrai. I was attracted to the idea of a theater story. J'étais attiré par l'idée d'une histoire sur le théâtre. Ah oui, ça c'était intéressant. Enfin, yes, l'idée that d'une... was interesting. Oui. But you see, I ran into big trouble there. I did one thing in that picture, which I should never have done. J'aurais jamais dû faire. To put in a flashback. De mettre dans un flashback. There was a lie. Qui était j'ai inséré un flashback qui était un mensonge. Oui, oui, on vous l'a reproché. Oui, les critiques françaises. Yes, the French critics reproach you for that. Oui. But why not? Mais pourquoi pas? Oui, pas de raison. Oui. That's right, there's no reason. Why can't you have a man describe a story? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas avoir un homme décrivant une histoire? And we, if we accept a truth of a story in terms of a flashback. Et si nous acceptons la vérité d'une histoire dans les termes d'un flashback? Why can't we tell a lie in a flashback? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas également raconter un mensonge dans un flashback? Oui, mais c'était plus compliqué que ça. It parce was que more complicated than that, because il racontait ce que lui avait raconté Marlene Dietrich. He was relating what Marlene Dietrich had told him. C'était pas direct comme effet. So it wasn't direct. No, no. À tel point que lorsque il... To such a degree that when... Lorsqu'il terminait... À l'intérieur du flashback. Inside the flashback, when he concluded. Lorsque Marlene Dietrich arrivait chez lui. When Marlene Dietrich came to his place. En prenant des notes en revoyant le film. And taking notes when I re-saw the picture recently. J'ai marqué sur mes notes. I've marked on my notes. Fin du flashback. End of the flashback. Alors c'était pas vrai. Whereas it wasn't true and continued. Yeah, alors c'est que c'était pas direct. So it wasn't direct. Ceci dit, je trouve que la. But this being so. Les deux ou trois premières bobines sont le meilleur du film. I feel the first two or three reels are the best of the picture. I was amused by the theater garden party. Moi, j'ai été très amusé par la fête dans le jardin. Oui, très amusant. Oui. Ce qui m'a ennuyé, c'est le personnage de... What bothered me was the personality of... Alastair Slim. Alastair Slim. Here again is ici, the... De nouveau, mistake of being in England. L'erreur d'avoir été en Angleterre. They tell you he's one of our best actors. Ils vous disent c'est un des meilleurs acteurs. Vous devez l'avoir dans votre film. You see, it's again the local, national feeling there. Le sentiment local et national. Et il y a un plan qui m'a étonné.
Un quoi qui vous a étonné? Un plan. There's one shot that surprised me. Qui est truqué. Which is tricked. Je me suis demandé pourquoi. I wondered why. Peut-être pour le visage de Marlène. Perhaps because of Marlene's face. Elle est en premier plan. She's in the foreground. Et Richard Todd est au fond, près de la fenêtre. And Richard Todd is in the next to the window and he's talking to her. Mm-hmm. Et ça a l'air d'être fait en cache contre cache, ou ça on peut pas dire cache contre cache. And it looks as if it's done. Deux plans comme les birds. Yes, it is. It was done that way. We say difficult, sir. Pourquoi? Why? It must have had some reason, otherwise I wouldn't have gone to that trouble. Il devait y avoir une raison, autrement je ne me serais pas donné tellement de peine. Mais c'était peut-être pour que son visage soit très beau à elle. Maybe so that her face be very beautiful. I think so. Et que Richard Todd soit net au fond. Because you couldn't have done it by hard light. Parce qu'on ne pouvait pas le faire à l'éclairage dur. C'est ça, oui. Ouais. Mm-hmm. Yeah. Il y a quelques petites phrases dans le film. And there are a few small sentences in the picture. Assez dur pour les acteurs. Rather tough on actors. Michael Wilding dit à Michael Jeanne Wyman. Michael Wilding says to qui? Michael Wilding dit à Jeanne Wyman. Jane Wyman. Quand on a du cœur, on n'est pas acteur. When one has a heart, one isn't an actor. One doesn't become an actor. One of the problems on the picture was Jane Wyman. Un des problèmes sur le film a été Jane Wyman. J'ai pensé que M. Hitchcock avait choisi. I thought Mr. Hitchcock had perhaps chosen her. Pour des raisons de ressemblance avec. For reasons Patricia of resemblance Hitchcock. With Patricia Hitchcock. J'ai l'impression qu'il faisait un peu un film sur sa fille, d'ailleurs. I had a feeling that he was doing a picture on his daughter, as a matter of fact. Not exactly. Pas exactement. We ran into great difficulties with Jane. Nous avons eu beaucoup de difficultés avec Jane. She is a very moody person. Elle est très tempéramentale. And in her disguise as a maid or a dresser. Et dans son déguisement en tant que une femme de chambre. Ou she should have looked not very attractive. Il aurait fallu qu'elle soit pas très jolie. After all, she was copying the Après original tout, maid. Elle copiait la femme de chambre originale. Every time she went to the Rushes. Chaque fois qu'elle allait aux Rushes. And saw herself as Dietrich. Et à côté de lui, elle se mettait à pleurer. Black. And she couldn't bear the sight of seeing her face in character and Dietrich looking beautiful. Et Dietrich était réellement belle. Ah, oui, oui. And she kept improving her own face. Et elle continuait à améliorer son propre visage. Elle s'arrangeait. Ah, oui, oui. And spoiled the whole character. Et elle a raté toute la caractérisation. Si Monsieur Hitchcock fait un jour un film avec Jeanne Moreau, if one day Mr. Hitchcock has a picture with Jeanne Moreau, ce que je souhaite pour elle, which I hope for her sake, il aura la satisfaction d'avoir une comédienne qui ne va jamais aux Rushes. He'll have a satisfaction of having an actress who never goes to the Rushes. Simplement qui attend le matin qu'on lui raconte comment ils étaient. Who simply waits for the next morning so that you tell her how they came out. Elle est triste si on oublie. She's in fact she's sad if you just forget that. Mais elle ne she's like pas. Me. But she'll never ask. She's elle like est comme me. Moi alors. I don't go to the Rushes. Elle lui non plus ne va pas aux Rushes. Alors dans ce cas c'est elle qui irait qui vous. Well, maybe she could go and tell you about them then. He finds her very easy to work with. He says she's a real. I must meet her. We must meet her again. Il dit je voudrais la rencontrer avec vous. Il faudrait qu'on la rencontre. Ah, oui. Will she be in Paris the week I'm elle there? Elle sera à Paris la semaine où j'y serai. Très probablement, oui. Very probably. Maybe we could arrange a meeting. Ou alors peut-être qu'on pourrait arranger une. Oui oui d'accord. Elle sera good, très good, so she'd be very happy. Ah, il y a une très bonne scène. There's a very good scene. Qui est la scène de flirt dans le taxi. Which is the flirtation scene in the cab. Enfin, yes, pas de yes. Flirt, une scène d'amour. Yes, I'm a love scene in the cab. Yes. Oui, j'ai noté, alors dans une optique tout à fait de Monsieur Hitchcock. I made an observation. Que si on ne s'intéresse pas beaucoup au film. That if one is not very much interested in pictures, c'est qu'aucun personnage n'est réellement en danger. In the picture, it's because really, this is in accordance with your own perspective. None of the people is truly in danger.
I will tell him really the big fault. Je vous dirai vraiment que la grande faiblesse Stage fright, de ce film, apart from other things, à part les autres choses. And it occurred to me at the time, but I couldn't do anything about it. Et j'ai pensé au moment, mais je ne pouvais plus rien y faire. François says, François dit, that the people are not in danger. Que les gens ne sont pas en danger. The reason is, and what occurred to me at la raison the time, en est, ce, que j'ai, ce à quoi j'ai pensé au moment, the villains are afraid. C'est que ce sont les méchants qui ont peur. Ah oui. That is the main fault of the picture. Et ça, c'est la grande faiblesse du film. Because I broke the cardinal rule. Why is it always the cardinal rule? Pourquoi est-ce que c'est toujours, on dit en anglais la règle cardinale, ça existe en français aussi ce terme. Pourquoi est-ce toujours la règle cardinale? Que? La règle cardinale, ce terme, vous connaissez pas? Un cardinal parce que, à cause des, attendez, voyons des vertus cardinales. Yes, you say est-ce que le cardinal est en haut de la hiérarchie? Ou... Because the cardinal's on top of the hierarchy, because you also say cardinal virtue. Ou alors on devrait dire papal. Là. Or you might say papal. The cardinal rule in a melodrama. Non, les points cardinaux. The cardinal points. Oh, I see. Nord-sud. Yes, quoi. Maybe. That the better the villain, the better the film. La règle cardinale doit être que le meilleur le vilain, le meilleur le film. You mean the more villainous the villain? The stronger the villain, the better fort. Your picture. Oui. Meilleur, le film est meilleur. Ah ouais, sûrement. Ouais. Ça, ça doit être une règle cardinale. Ouais. And in Stage Fright, they were very weak. Et dans ce film, ils étaient très faibles. C'est pour ça que Notorious est très fort. Ouais. And that's why Notorious is so strong. Et aussi, en revoyant le film l'autre jour, j'ai and pensé. And seeing the picture again the other day. Je suis vraiment très dur avec Sophie. And I'm really very, I think I'm very tough on this picture. Ça ne se justifiait pas d'avoir dépassé. Je suis d'accord avec vous. Ça ne se justifiait pas d'avoir dépassé 90 minutes. It really wasn't justified to have taken any longer than 90 minutes. Yeah. But it's a small picture. Mais c'est un petit film. Oui. Alors comme souvent quand M. Hitchcock a des ennuis sur un ou deux films. And very often when you have problems with one or two pictures. La remontée est très forte. When you jump back, it's very strong. Yes. Comme s'il tirait vraiment la leçon. As if you had really extracted a lesson from what had happened. Well, you do. But you see, this is maybe some philosophy that we have to teach ourselves. Et c'est peut-être une philosophie que nous devons nous apprendre. Is when you feel that things are not working right. Que les choses ne vont pas bien. As I said earlier, comme j'ai dit plus tôt, we must run for cover. Il faut courir se couvrir. Or play safe. Ou jouer sauf. Ouais, ouais. Être prudent. For example, I was working on a story. Par exemple, je travaillais sur une histoire. Warner Brothers. It was called Bramble Bush. Qui s'appelait Bramble Bush ah, pour oui. les About Warner Brothers. A man Brothers. Who stole another man's passport. À propos d'un homme qui avait volé le passeport d'un autre homme. But he didn't realize that the passport pas he had stolen que le passeport qu'il avait belonged volé to a man who was wanted for murder. Appartenait à un homme que l'on recherchait pour un meurtre. And I worked on it some time. Et j'ai travaillé pendant quelque temps. And it wasn't going well at all. Et ça n'allait pas bien du tout. So I found out the Warners had bought Dial M for Murder. Et j'ai découvert que les Warner Brothers avaient acheté Dial M pour murder. So immediately I said, I'll take that. J'ai dit je prendrai ceci. I knew at least je savais là où I could coast, que je pouvais naviguer, flotter, make that, which was a sure parole, success on Broadway, qui était un succès sûr sur Broadway, and being a murder story, parce que c'était une histoire d'un meurtre, couldn't lose much, ne pouvait pas perdre beaucoup, as a film, en tant que film,
I wouldn't apply it to other Broadway successes. Je ne dirais pas ça de tous les succès de Broadway. But in a murder story, mais dans une histoire they de could meurtre, put the Hitchcock name on it. On peut ajouter le nom Hitchcock dessus. Ça sort. I would do it as well as possible. Et je peux le faire aussi bien que ça peut être fait. But I did it because je l'ai fait parce que I did not pursue this particular je n'ai pas poursuivi ce projet particulier. Because I knew it parce que je savais que might not be good. Ce ne serait peut-être pas bon. Which I should have done with stage fright. Et c'est ce que j'aurais dû faire avec Stage Fright ouais. également. Ouais. Et alors, Stranger on a Train, on vous l'a proposé ou bien vous avez Stranger choisi Stranger on a Train proposed to you or I chose that. Je l'ai choisi. Ouais. C'était un assez bon roman. It was a pretty good novel. Novel was all right. Mais difficile à adapter. But difficult to adapt. Brings out another point. Et ceci fait ressortir un autre point. It has never worked well when I have collaborated with another mystery writer. Et collaboré avec un autre écrivain de mystère. Pardon? Ça n'a jamais bien travaillé, fonctionné lorsque moi j'ai collaboré avec un autre type qui écrivait des mystères. Ah ouais. Et qui était là? A. Chandler, Xenzi Ormond. Whitfield Cook. Raymond Chandler. Oui. We didn't go at all. Raymond Chandler, qui est très connu pour les années de mystère, ça n'a pas marché entre nous. Oui, mais ce n'est pas son genre non plus. No, it's not. Okay, we sit together and searching for an idea. On cherche une idée. And I would say, why not do it this way? Je ne sais pas pourquoi pas faire comme ça. He would say to me, well, if you can think it out, what do you want me for? Eh ben, si vous pouvez trouver la façon de le faire, pourquoi est-ce que vous voulez de moi, alors? The work he did was not good. Le travail qu'il a fait n'était pas bon. Then I ended up with Xenzi Ormond. Finalement, she was a writer, one of Ben Hecht's assistants. Xenzi Ormond, qui était une assistante de Ben Hecht. When I had finished the treatment of Strangers on a Train, quand j'ai fini le découpage de Strangers on a Train, before I went into script, avant d'entrer dans le scénario, the head of Warners was looking around for me for somebody le chef de to Warners do the dialogue. You see, cherchait quelqu'un pour moi pour faire le dialogue. And very few writers would touch it. Et très peu d'écrivains voulaient y toucher. None of them thought it was any good. Personne ne trouvait que c'était bon. Oui, mais ça ne m'étonne pas. I'm not surprised. Je crois que si je lisais le scénario Stranger on a Train, je ne le trouverais pas bon. I think that if I were to read the scenario Stranger on a Train, I wouldn't think it was good. Il faut vraiment voir le film. You really have to see the picture. Et je pense même que le même scénario, and I think even that the same scenario, filmé par quelqu'un d'autre, ferait un mauvais film. Filmed by someone else would have been a bad picture. C'était une chose qui arrive très souvent avec this is something Hitchcock. That happens very often with Mr. Hitchcock. Parce qu'à la lecture, on... Because in reading, ça doit être toute la part d'arbitraire qu'il y a dans un scénario comme ça doit être très choquante. All that which is arbitrary in that kind of scenario must be rather shocking. L'arbitraire, ça n'est, c'est bien, ça vous traduit, c'est bien. Non, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Ça n'est ni coïncidence ni invraisemblance. That is to say. What I mean by arbitrary is that there's neither coincidence nor plausibility. C'est les arbitraires, c'est les choses imposées comme ça, sans justification. Mais vous parlez de quoi, du script ou de? Oui, du script. It's the things that are imposed by the script without justification, just simply arbitrary points. Well, les choses qui passent grâce à l'autorité. Which are simply swallowed because of the authority with which they're said. Well, you see, here you have a story which we have that old complaint. Why didn't he go to the police? Et voici, vous avez une de ces histoires dans lesquelles on a cette vieille plainte. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé à la police? Ouais.
Oui, mais enfin, quand on voit le film, ça passe très bien. Yes, but when you see the picture, it passes. Well, oh, sure, but we argue it out. Why don't we talk it out? Why? Et n'oubliez pas que nous le raisonnons, nous donnons les raisons. Si. Ce qui se passe, c'est que. What happens is that. Les gens qui n'aiment pas un film comme ça. People who don't like a picture like this. Comme pour soupçon un peu. Like for suspicion to some degree. Disent le roman était meilleur. Say that the novel was better. Et ils ne se rendent pas compte. But they don't realize. Qu'une adaptation fidèle du roman. That a faithful adaptation of the novel. Ferait un très mauvais film. Would have made a very bad picture. Mais que si on faisait un roman avec l'adaptation. But that if one made a novel from the film. Effectivement, le roman serait très inférieur à l'original. It's true that the novel would be very inferior to the original novel. Ça, c'est les lois sur la spécificité, enfin la. And these are the rules of the specificity. Spécificité du cinéma. Of cinema. Oh, sure. Yeah. Sure. Et vous pourriez peut-être le. Lire à M. Hitchcock, ça qui était. On avait au Cahier du Cinéma un correspondant à New York qui était Herman Weinberg. Pourquoi vous voulez lire à lui la critique de Herman Weinberg? Oui. Pourquoi? Pour lui montrer. He wants me to read you. Herman Weinberg was the American critic of Cahier du Cinéma, and he wants me to read you an extract of his. Et nos goûts à nous étaient toujours en contradiction avec les siens. And our tastes were always in contrast with his. Finalement, on lui a demandé de ne plus nous envoyer. Finally, we asked him. Comment j'ai fait ceci? Un peu après ça, oui. After this, we asked him not to send us anymore. Mais il voyait les films avant nous, puisque c'était des films américains. But he saw the pictures before us because they were American pictures. Mais je trouve c'est assez typique de. Why is he your correspondent in New York? You mean? He's their correspondent. He was their correspondent. He's the guy who does all the subtitles. I mean Weinberg. And he was their correspondent. This is what he wrote. Je ne sais pas comment avait été la critique américaine pour le film. Elle avait été meilleure que ça. Was it better than this on the whole? A Strangers on a Train. Yes. I can't remember. Je ne me rappelle plus. I can't remember. Non, ça résume vraiment les articles contre Hitchcock. C'est vraiment. No. He said the reason I had this read out is that this seems to sum up the type of. Arguments that are inveyed against Hitchcock. Yes, sure. Nous ne sommes pas des enfants. We're not children and that sort of nonsense. They are children. Ce sont des enfants. Et puis aussi que. I find, you see, that with this kind of approach. Ce genre d'approche. That they are completely lacking in humor. Ils sont complètement. Ils manquent totalement d'humour. Ouais. You see, they have no sense of humor, no, and they are not intellectual enough. Ils ne sont pas assez intellectuels. That's my main complaint. They don't examine things on a high enough plane. Ils n'examinent pas les choses sur un niveau assez élevé. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que c'est un film très, très satisfaisant. Because it's a picture that is very satisfying. Et très excitant pour l'esprit. It's very exciting to the mind. Il est un peu construit sur le chiffre 2 comme l'ombre d'un doute. It's somewhat built, comment? Sur le chiffre 2 comme l'ombre d'un doute. On number 2, like shadow. Like shadow of a doubt. Et c'est celui où le thème de l'échange de meurtres est le mieux illustré. And this is the one in which the exchange of murders is best illustrated. Ça, c'est une chose qui vous a beaucoup intéressé, this je crois. This is something which has always very much interested you, I think. Yeah, I think so, yeah. Là, le méchant est. Enfin, c'est le. C'est même pas le méchant là, c'est vraiment le personnage divisé en deux. It isn't even the villain there, it's really a split personality. Oh yes it is, because the man himself is a psychopathic. Parce que l'homme lui-même est psychopathe. C'est ça, oui. Shall we discuss before we go on this question, or should we leave it over about how the Hitchcock films, when revived, I'm not talking of the very early English ones necessarily, les films, but Hitchcock, most of the American ones, fait passer. Je ne parle pas du film anglais, Rebecca, mais la plupart des Américains, when they're on the screen, Rebecca, I've heard many people comment that they stand up so well. Réellement, ils tiennent tellement bien le coup. Est-ce que vous voulez discuter cette question pour avoir Ah oui, ça peut être Yes, of course, I want to very much.
Well, I don't know the answer. Mais je ne connais pas la réponse. Oui, j'avais donné déjà, oui, une première idée. I had already given an initial. Qui était que le cinéma américain. Answer, which was that American cinema. A souvent fonctionné par mode. Has often worked through styles. Et par style de studio. And studios, they follow studios trends. Yes, but you see, a lot of other American films. Oui, mais il y a beaucoup d'autres films américains. They say look so old-fashioned. Ils disent sont tellement démodés. Oui, oui, oui. Mais justement, je pense que M. Hitchcock. But this is what I mean, I think that Mr. Hitchcock a instinctivement lutté contre. Has instinctively struggled against. Pas contre l'ambiance du studio. Not against the atmosphere in the studio, but. Mais contre l'asservissement. The enslavement, if you will. Oh, well, that's true. Par exemple. For instance. Tous les films de la Warner. All of the Warner Brothers pictures. Tournés pendant la guerre se ressemblent beaucoup. Made during the war resemble each other very closely. Et les films de la Fox se ressemblent beaucoup les uns and les the autres. Pictures of the Fox are also very much alike to each other. Et je pense que Monsieur Hitchcock. And I think that Mr. Hitchcock. Dans son désir de préserver toujours le film. In his wish always to maintain the film. Oh yes. A réussi. Succeeded in. Quelquefois incorporer des éléments. Sometimes incorporating elements. Qui venait par exemple d'un autre studio. Which came for instance from another studio. A rejeté ce qui le gênait dans ce. To reject what bothered him about this. Dans le studio où il travaillait. About the studio in which he worked. De façon à créer un produit. In such a way that he created an end product. Qui lui ressemble plus à lui. Which resembles Mr. Hitchcock himself. Which mirrors. Et à ses autres films. Hitchcock himself and his other works. C'est une partie de l'explication. Of the answer. Yes, that is true because there is no question that one of the pieces of good fortune that I've had is that nobody else understands this milieu. C'est que personne d'autre ne comprend ce milieu. Well, the suspense, the thriller oui. type of l'ambiance picture. L'ambiance suspense. You see, that's why I've had the feel to myself. C'est pourquoi, au fond, j'ai eu le domaine entier à moi-même. Oui, c'est vrai. Your time is we have to let him go, then. Il va falloir qu'on arrête là. 6 o'clock, Caesar. Il est 6 heures. Caesar, what's our program? Is it we better start earlier in the morning? Pensez-vous qu'il faut commencer plus tôt demain matin? I mean, should we start 9:30 here or something? We're going to get...